Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou Serpentard, de quelle maison je suis? Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais enfin savoir dans quelle maison de Poudlard je fais partie. Serre d'Aigle, Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor, on verra bien. Hier, j'ai regardé la vidéo YouTube de The Peculiar Club qui justement avait répondu à ce quiz Pottermore pour savoir dans quelle maison Poudlard elle faisait partie. Je me suis dit, oh c'est une bonne idée, moi aussi j'ai envie de faire ça. Donc du coup, je vous fais ça de suite. Étant donné que je ne suis pas bilingue anglais, je suis pas bilingue du tout d'ailleurs, je vais regarder le quiz en français et j'aimerais bien que vous répondiez également dans les commentaires ce que vous aurez répondu à chacune des questions. Et dites-moi si vous savez déjà dans quelle maison Poudlard vous êtes en commentaire. Comment veux-tu rentrer dans l'histoire? En étant sage, en étant audacieux, en étant intrépide ou en étant bon et juste? Moi je dirais en étant bon et juste. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi? Ignorant, peureux, banal, égoïste. Alors j'hésite entre égoïste ou ignorant. Non, je dirais ignorant, j'aimerais pas qu'on dise ah c'était la bébête du village ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Quelle est la potion que tu aimerais le plus inventer et utiliser? Potion d'amour, potion de pouvoir, potion de gloire ou potion de sagesse? Bah, je dirais que la sagesse, on peut tous entre guillemets l'avoir sans potion. J'hésite entre potion de gloire et potion d'amour. Mais faut pas jouer avec l'amour, faut que l'amour soit sincère, donc on va dire potion de gloire. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort? Je veux que les gens admirent mes exploits. Je veux que les gens racontent sans cesse mes histoires et mes aventures. Je veux que les gens aient le sourire en pensant à moi et qu'ils se disent que je leur manque. Je m'en fous, seul ce que les gens pensent de moi et de mes accomplissements pendant que je suis vivante m'importe. Moi franchement je dirais, je veux que les gens aient le sourire en pensant à moi et qu'ils se disent que je leur manque. La plante à pipaillon produit tous les 100 ans des fleurs qui changent d'odeur dans le but d'attirer une personne précise. Quel parfum cette plante devrait-elle dégager pour t'attirer? Le parfum d'un feu de bois? Le parfum de la mer? Le parfum de ta maison? Le parfum d'un parchemin neuf? Moi, je dirais le parfum d'un feu de bois. Je sais pas, je trouve ça cocooning, chaleureux. Quatre boîtes sont disposées devant toi. Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle choisis-tu? Celle avec des écailles de tortue dorées à l'or, qui a l'air de contenir une petite créature qui queen. La boîte noire brillant, qui possède une serrure et une clé, avec une inscription en rune que tu identifies comme la signature de Merlin. Le coffret en étain, très basique, sur lequel tu lis l'inscription suivante: je ne m'ouvre que pour celui qui me mérite. Ou le petit coffre en or sculpté, disposant de pieds pourvus de griffes, avec une inscription précisant que ce coffre renferme des connaissances secrètes. Moi, franchement, en fait, j'aurais trop voulu savoir ce qu'il y a la petite créature. Ce que c'est la petite créature. Mais Merlin, franchement, ça m'intrigue trop. Quel instrument de musique trouves-tu le plus agréable? Le piano, la trompette, le violon ou le tambour? Alors, agréable un tambour, je ne sais pas. J'hésitais entre le piano et le violon, mais je dirais le violon. Tu te retrouves dans une pièce avec 4 gobelets devant toi, chacun contenant une potion différente. Laquelle voudrais-tu boire? La potion argentée et scintillante qui semble être composée de diamants écrasés. La potion contenant un liquide noir d'encre étrange qui fait apparaître des visions étranges devant toi. La potion violette qui dégage une douceur odeur de prune et de chocolat. Ou la potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers la pièce. Moi je dirais direct la potion argentée et scintillant qui semble être composée de diamants écrasés. Parce que j'adore l'argenté et les diamants, c'est joli. Tu te trouves dans un jardin enchanté.
Qu'est-ce qui attire ton attention? L'arbre argenté aux pommes d'or? Les gros champignons rouges qui parlent ensemble? Le bassin lumineux qui semble avoir quelque chose de lumineux que tu aperçois dans ses profondeurs? La statue d'un sorcier avec un œil scintillant très étrange? Comme je disais, vu que j'adore l'argenté, je dirais l'arbre argenté aux pommes d'or. Après, les gros champignons rouges qui parlent ensemble, c'est drôle. Ah, mais je dirais l'arbre argenté. Poudlard est en train de brûler. Il y a trois choses importantes que vous devez sauver, mais qui se trouvent dans un endroit différent. Il y a des carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, un remède contre la dragoncelle et le livre de Merlin. Dans quel ordre vas-tu essayer de sauver ces objets précieux? Le 1, je dirais remède parce que c'est important. Le 2, je dirais le livre de Merlin parce que Merlin, c'est un grand homme. Donc je dirais qu'il doit y avoir des trucs très importants dedans. Et en 3, les carnets scolaires des élèves. Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Je veux que les autres aient peur de moi. Je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite. Je veux qu'on m'imite. Je veux qu'on m'aime et qu'on m'apprécie. Je veux qu'on me jalouse. Je veux qu'on me fasse confiance. Franchement, je dirais je veux qu'on m'aime et m'apprécie, direct, sans réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi? Être ignoré par les autres, le froid, l'ennui, la faim ou la solitude? Alors, étant donné que moi je suis quelqu'un de très solitaire, j'enlève direct la solitude. Non, franchement, je dirais être ignoré par les autres. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus d'apprendre à Poudlard? Apprivoiser les créatures magiques et comment s'en occuper? Le vol sur balai, apparition-disparition, les sortilèges maléfices, la métamorphose, tous les domaines de la magie, les secrets du château. Alors j'hésite. J'aimerais bien, parce que j'adore les animaux, donc les petites créatures et tout, ça m'intéresserait, mais bon, j'aimerais trop voler sur un balai. Mais ça va pas être confortable. Les sortilèges, c'est bien. Non, l'apparition-disparition, parce que le pouvoir que j'aurais toujours voulu avoir, la téléportation. Genre, en mode, t'as plus besoin d'acheter ton billet et tout, d'avion et trucs comme ça, tu te téléportes comme ça, ou tu fais apparaître des choses dont t'as besoin là tout de suite. Genre, par exemple, oh, j'ai soif, pouf, verre d'eau, blou blou blou. Enfin, ça serait trop bien. Ah bah justement, quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Devenir invisible, changer le passé, avoir une force surnaturelle, lire dans les pensées des gens, parler aux animaux, modifier son apparence. Alors lire dans les pensées des gens, ça me fait direct penser à Matt dans Heroes, et ça lui donnait plutôt mal à la tête, il gérait mal le truc, tu vois. Donc c'est vrai qu'avoir tout le temps des voix dans ta tête, ça va être trop relou, mais c'est pratique, mais ça va être relou quand même. J'hésite parce que parler aux animaux, j'aimerais tellement, mais est-ce que ça m'apporterait grand-chose? Je dirais changer le passé. Quelle est la créature que tu souhaiterais le plus étudier? Question 14. Loup-garou, gobelin, troll, centaure, sirène, fantôme ou vampire? Je sais pas pourquoi, mais je dirais sirène, parce que je sais pas, je trouve ça beau. Après, fantôme et vampire. En fait, c'est sirène, fantôme et vampire. Je dirais sirène parce que je trouve ça beau. Fantôme, c'est intriguant, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Et vampire, j'ai peur qu'il me croque. Sirène. Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché pendant un examen en utilisant une plume ensorcelée. Il se retrouve premier grâce à sa technique de triche et toi seulement deuxième. Le professeur Flitwick te demande si ton ami a triché. Comment réagis-tu? Alors, tu as déjà fait la morale à ton ami en lui disant qu'il faut absolument qu'il aille dire la vérité au professeur et tu dis au professeur qu'il vaudrait mieux poser la question directement à ton ami. Tu n'attends pas que le professeur te demande pour lui dire. Dès que tu vois un élève se servir de la plume interdite, tu interpelles directement le professeur. Tu dis toute la vérité au professeur car tu mérites d'être premier de la classe. Ou tu mens et tu dis au professeur que tu ne sais rien. Tu espères tout de même qu'il va découvrir la vérité. Moi je dirais direct, tu mens et tu dis au professeur que tu n'en sais rien. Tu espères tout de même qu'il va découvrir la vérité. Parce que je suis quelqu'un qui balance jamais. Genre j'ai trop peur de faire de la peine à quelqu'un, de décevoir quelqu'un. Du coup je balance jamais, donc je dirais direct celui-là. Tu te retrouves au milieu de quatre chemins. Lequel choisis-tu? La rue pavée en pleine ville, la grande allée d'herbe ensoleillée, la ruelle sombre dont la seule lumière provient des lanternes, le sentier qui s'enfonce dans les bois recouverts de feuilles mortes. Je dirais la grande allée d'herbe ensoleillée, c'est un petit peu plus rassurant. Un moldu te confronte en te disant qu'il sait que tu es un sorcier. Comment réagis-tu? Donc, faut se souvenir qu'ils n'ont pas le droit de dire que ce sont des sorciers. Hein. Ils n'ont pas le droit de montrer leur magie au moldu. Pourquoi penses-tu une telle chose? Oui, et alors? Tu veux que je te jette un petit maléfice pour que tu en sois sûr? Es-tu fou? Les sorciers n'existent pas. Tu veux que j'appelle un médecin? Oui, je suis un sorcier. Tu t'en vas en tentant le bluff. Moi, je dirais... Pourquoi penses-tu une telle chose? En fait, je voudrais pas qu'il se sente mal à l'aise en disant « Tu veux que j'appelle un médecin ?» alors qu'en fait, il a raison, tu vois, genre le pauvre. Non, je dirais « Pourquoi penses-tu une telle chose ?»
Tu te promènes dans la forêt interdite en pleine nuit. Et tu entends une brindille craquer. Que fais-tu? Tu utilises ta baguette magique pour te défendre car tu ne te laisses pas impressionner. Tu tentes de découvrir d'où vient le bruit avec ta baguette. Tu te caches dans la pénombre pour attendre et voir ce qu'il se passe et en te remémorant tous tes sortilèges d'attaque et de défense au cas où. Ou tu continues de marcher avec prudence tout en gardant ta main sur ta baguette sous ton manteau. Alors moi je prendrais pas de risque, je tiens trop à ma vie. Donc je dirais tu continues de marcher avec prudence tout en gardant ta main sur ta baguette sous ton manteau. Tu dois traverser un pont, mais un troll furieux bloque le passage. Aucun moyen de le déloger sans le combattre. Alors, tu décides. Tu te proposes directement pour combattre le troll tout seul. Tu essayes de faire diversion pour traverser le pont sans combattre le troll. Tu joues à la courte paille avec tes amis pour savoir qui va combattre le troll. Ou tu affrontes le troll en équipe avec tes amis. Comme je disais, on va pas prendre le risque. Je vais tester la diversion. Et au pire, si la diversion ne marche pas, j'affronte le troll avec mes amis. Quel est le cauchemar que tu redoutes le plus? Être tout seul, enfermé dans une pièce dans le noir, la seule chose que tu peux voir est l'œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure, découvrir le matin en te levant que plus personne ne te reconnaît, être tout en haut d'un endroit vraiment très haut et se rendre compte que tu n'as rien pour te tenir et t'empêcher de tomber dans le vide, se réveiller avec une voix ridicule, plus personne ne te comprend et tout le monde se moque. Alors c'est chaud quand même de se réveiller le matin et de découvrir que plus personne ne te reconnaît. Mais d'un autre côté, non, ça doit être hyper flippant d'être enfermé dans le noir, avec un œil mystérieux qui t'observe par la serrure. Donc choisis celui-là. La lune ou les étoiles? Personnellement, je préfère les étoiles. La forêt ou la rivière? Alors ça, j'hésite beaucoup. J'adore la forêt, la verdure, etc. Surtout en automne, c'est trop beau, ou au printemps. Mais la rivière aussi, c'est beau, mais... Non, je dirais la forêt. L'aube ou le crépuscule? Alors moi je suis surtout nuit que jour, plus nuit que jour. L'aube c'est beau mais je préfère le crépuscule. Le noir ou le blanc? Alors avant j'aurais dit le noir, mais maintenant je dirais le blanc. Gauche ou droite? Je suis droitière mais je sais pas pourquoi, la gauche. Pile ou face? Moi, quand je joue à ce jeu-là, en général, je prends face. Par quelle maison es-tu le plus attiré? Serre d'aigle, Pouf-souffle, Griffon d'or ou Serpentard? Je suis pas une pro de Harry Potter. Mais je crois que ce qui me correspondrait le plus, c'est Pouf-souffle, mais j'aime bien Griffon d'or. En tout cas, celle que je veux pas du tout, c'est Serpentard. Je dirais Griffon d'or. Résultat, je suis Pouf-souffle. Alors, pour les personnes qui sont Pouf-souffle, félicitations, tu appartiens à la famille de Poufsouffle. J'ai l'impression que je vais poussillonner en disant ça. Cela t'étonne peut-être, mais il n'y a aucun doute. Ce test est aussi précis que le choix peau magique lorsqu'il s'agit de déterminer la famille d'un nouveau sorcier à Poudlard. Si à Poufsouffle vous allez. Comme eux, vous serez juste et loyal. Ah non, attends, on va refaire cette phrase. Si à Poufsouffle vous allez. Comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Fondé par Helga Poufsouffle, Poufsouffle est représenté par un blaireau et ses couleurs sont le jaune et le noir. Ma couleur préférée, c'est le jaune avec le bleu. J'aurais été Serdaigle dans ces cas-là. On trouve parmi les nombreuses qualités des Poufsouffle la loyauté, la patience, le goût du travail acharné, l'honnêteté et la tolérance. Sa salle commune, connue pour être la plus inaccessible, est située dans les sous-sols, près des cuisines. Son fantôme est le moine gras, et Brigitte Wenglock, Artemisia Lufkin, Norbert Dragono font partie des élèves les plus célèbres de la maison. Et voilà, je suis donc Poufsouffle. Est-ce que vous aussi vous avez joué au jeu Pottermore? Ou bien non, mais vous pensez que vous correspondez plus à quelle maison? Dites-moi dans les commentaires, Serpentard, Serdaigle, Gryffondor ou Poufsouffle comme moi? Abonne-toi à mon Instagram parce que c'est le réseau social où je suis la plus active. C'est aussi le réseau social que je préfère. Sur ce, je te fais des gros bisous. Ami Poufsouffle, ami Serdaigle, ami Gryffondor, ami Serpentard. Je vous fais des gros bisous. Et bientôt, on se voit à Poudlard!